Je viens d'acheter de la toile glacée pour faire mon cosplay de Yandere Simulator pour la première édition du Comic-Con. Et ici, c'est Baba Zone. Tout le monde, ou tous les cosplayers viennent acheter leur tissu ici. Les prix sont abordables et il y a de tout. Je fais du cosplay depuis un an, mais ma passion remonte au CEM. J'ai vu des costumes de Miss Club dans un magazine pour enfants, Manon, si vous connaissez. Et ça m'a inspirée pour faire du cosplay, mais je ne savais pas comment ça s'appelait. Et en 2013, j'ai fait un costume de zombie, c'était du n'importe quoi. Mais j'étais fière de moi, mais les critiques étaient rudes, alors j'ai arrêté de faire ça. Jusqu'en 2016, et pratiquement en août, j'ai fait le cosplay de Harley Quinn de Suicide Squad. Et bien sûr, j'avais commencé en même temps à prendre des cours de couture pour pouvoir réussir mieux mes costumes. Pour participer au concours cosplay. J'ai fini mon costume, malgré que j'ai passé toute la nuit à le préparer. Je n'ai dormi qu'une heure, mais aujourd'hui, j'ai fini et je suis venue pour participer au concours. J'ai fait la mise en scène de Yandere Simulator. C'était un peu stressant, mais j'ai fini par le faire. En fait, nous sommes, nous, les éditions Z-Link, nous sommes partenaires de la Games and Comic Con et nous assurons le volet cosplay. Donc le cosplay qui est le concours de déguisement, pas seulement se déguiser, faire son costume et faire une mise en scène devant un jury. Le jury est international. Je suis invitée à la Comic-Con, à la Games and Comic-Con Jazzair en Alger. Donc, c'est la première fois que je viens ici. Je suis donc membre du jury du concours cosplay qui se déroule donc, sur ces trois jours de salon avec Yuki, Ina Cosplay et Gats. Je savais que les Algériens aimaient bien les mangas, c'est tout. Je savais pas que c'était vraiment axé sur le jeu vidéo, le cosplay. Le cosplay, il n'y en a pas énormément non plus. Mais du coup, je suis étonné d'en voir. Ça fait... avec le concours et tout, mais ouais, j'avais une petite appréhension. Pour savoir, je pensais pas que ça allait être aussi grand aussi, mais c'est vachement cool. Et je suis vraiment heureux du coup d'être là. Je fais du cosplay depuis un an. Le personnage que j'incarne maintenant, c'est Erza, en Genderband. Et je viens de faire la prestation. Franchement, à part les petits détails, ça va, je suis satisfait. Par exemple les cosplays. Les cosplays, ça m'intéresse beaucoup. J'aimerais bien qu'un jour on ait une équipe en magda. Ou à bzaf. Ou que ça soit Waldia, mes parents. J'ai venu l'an. Attends, on s'en va.